Ohayo minasan, c'est Gunsho. Et aujourd'hui, on est de retour pour faire la suite de Fallout 4, l'épisode 111. Donc j'espère que ça ira. Donc voilà, donc c'est la suite. Donc bon usage. Ôtez votre camp de sécurité. M'en occupe. C'est tout ce que tu sais faire. Non, erreur fatale. Je jurerais avoir entendu quelque chose. On partage tout ça, pas vrai? Mais oui. Faut ramasser les mini-fusées, sors-toi. Parce qu'il y a de l'aluminium dedans, donc si vous avez besoin d'aluminium pour améliorer vos armes, c'est vraiment utile. Je crois qu'on a de la compagnie. Ils sont là! Par ici! Oui, oui. Sérieux? Je peux t'inquiète pour une seule goule. Sérieux? Poule sauvage par ici! Merci les canettes, c'est pas... Oh, canon! What the fuck? Oh, erreur fatale! Boule sauvage par ici! Ça valait même pas le coup de gaspiller mes balles. Vous avez entendu ça? Ah, j'ai horreur de me mouiller. Ça, j'avais bien compris ça. Pas la loupe, hein. Comme moi. Il fait un peu nuit, hein. S'il vous plaît, un peu de lumière, voilà. Fait un peu nuit, hein. Alors, je commençais tout juste à m'amuser. C'est comme ça qu'on fait par ici. Joli. Sans qu'on nous observe. Attention, pas cette fois! J'aurais peut-être dû les activer avant en fait. ok, donc nous on arrive par là. Bonjour les ghouls! Alors, qui veut se tenir? Ça fait combien de balles?
sera fini en moins de deux. C'est comme ça qu'on fait par ici. Ça, c'est ce que j'appelle une élimination confirmée. Ok. Si tu veux. Mais je trouve pas, moi. Que dalle. Non, on passe pas. Quelle perte de temps. Ôtez votre cran de sécurité. On a de la compagnie. Chut. M'en occupe. Je sais pas où ils sont. Ok. Ah, c'est une boy, carrément. Ah ouais, carrément. Thank you.
ça c'est moins. C'est bien, ça fait du bien. Ouais, on prend ça, ouais, ouais. Essayez quoi. Ah, vous voyez, c'est pas mauvais, hein. Allons, allons, du calme. Je vous en apporterai plus. Apportez quoi de plus? Hein? Qui est là? Vous. Conscrit? Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce qui se passe ici, Clark? Je savais que quelqu'un finirait par m'attraper. Ça ne pouvait pas durer éternellement. Qu'est-ce qui ne pouvait pas durer éternellement? Les vols de nourriture. Je fais partie de la division de logistique. Personne ne m'a jamais posé de questions en me voyant sortir la nourriture du terminal. Je la porte ici à la nuit tombée pour nourrir ses goules. Et ça marche. Pour le moment. Ça marche? Ça marche? De quoi vous parlez? Qu'est-ce que vous fabriquez? C'est une longue histoire. J'avais un ami qui était une goule. Il était tout aussi humain que vous et moi. Mais la confrérie... La confrérie dit que toutes les goules sont des abominations et qu'il faut les exterminer. Vous auriez tué un ami, vous? Juste à cause de ce qu'il est? C'était une goule sauvage? Quelle différence? Ils étaient tous humains avant, non? J'ai rejoint la confrérie il y a 2 ans. Pendant tout ce temps... Je n'ai jamais douté de nos idéaux. Je ne les ai jamais remis en question. Mais pendant la bataille de l'aéroport, les ghouls, il en venait sans cesse. Et j'en ai tué... je ne sais pas combien. Elles ont fini par s'enfuir, mais... on les a poursuivis. Et j'en ai tué encore, et encore, jusqu'à la dernière. Ça vous étonne ? Vous connaissiez bien l'idéologie de la confrérie, non? Non, pas vraiment. Enfin, pas jusqu'à cet instant. Après la bataille, j'ai eu besoin de temps pour réfléchir. C'est là que j'ai découvert cet endroit. Et les ghouls. Quel choix j'avais? Faire un rapport et les condamner? Ne rien faire et mettre la base en danger? Je me suis dit que si je leur apportais de la nourriture, elles se tiendraient peut-être tranquilles. Je voulais éviter une nouvelle tuerie. Vous... vous croyez que j'ai bien fait? Vous avez fait ce qui vous semblait être juste. C'est ce qui compte. Sauf que personne d'autre ne verra les choses de cette façon. Ah merde, tout le monde s'en fout. Et les ghouls, qu'est-ce que vous comptez faire d'elles? À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Et si on les laissait vivre, tout simplement? Tant qu'elles restent ici, elles ne font de mal à personne. Je ne sais pas encore. Ce n'est pas facile, hein. Et moi, qu'est-ce qui va m'arriver? Vous devriez vous dénoncer. Quoi? Non, vous connaissez le capitaine. Il ne me laissera même pas la possibilité de m'expliquer. Je vais devoir signaler votre infraction. Et à ce moment-là, on viendra vous arrêter. Il faut vous enfuir avant. Que je quitte la confrérie? Comme ça? Vous avez raison. Je n'ai plus d'avenir ici. Merde! J'ai besoin d'un instant pour réfléchir. Partez sans moi. L'ascenseur est juste à côté, vous pouvez utiliser ma carte magnétique. Je vous suis bientôt. Je sais pas si on lui fait ça, est-ce que j'ai une sauvegarde pas loin? Ça remonte à trop loin quand même. Non, fou, j'ai envie de faire un truc mieux que ça quand même.
avez trouvé quelque chose d'utile ou vous nous faites encore perdre notre temps? Ça, c'est une bonne question. Ok. Commencez tout juste à m'amuser. C'est comme ça qu'on fait par ici. Ça ? Ôtez votre cran de sécurité. On a de la compagnie. Là. M'en occupe ! Je vais pas faire long feu ! Sortez. Vous. Hé, hey, qu'est-ce que vous fabriquez ? Clark. Qu'est-ce que vous faites ici ? J'enquête sur les provisions volées. Et on dirait bien que je les ai retrouvées. Ils sont là ! Par ici ! Je croyais avoir fait attention. Je savais que quelqu'un finirait par m'attraper. Ça ne pouvait pas durer éternellement. Expliquez-vous. Oui, c'est moi qui les ai volées, ces foutues provisions. Ça se voit, non ? Je fais partie de la division de logistique. Personne ne m'a jamais Faut posé de question chercher. En me voyant sortir la nourriture du terminal. Je la porte ici à la nuit tombée pour nourrir ces ghouls. Et ça marche. Pour le moment. Exécuté. C'est limite décevant. Mais ça n'a aucun sens. Pourquoi vous faites ça ? C'est une longue histoire. J'avais un ami qui était une ghoul. Il était tout aussi humain que vous. Et la confrérie... Tout se répéter, hein. Non. Ah, vous voyez ? Vous comprenez ? J'ai rejoint la confrérie il y a 2 ans. Pendant tout ce temps, je n'ai jamais douté de nos idéaux. Je ne les ai jamais remis en question. Mais pendant la bataille de l'aéroport, les ghouls, il en venait sans. Elles ont fini par s'enfuir. C'est la guerre. Elle
cherchait juste à s'enfuir. Je crois qu'on a de la compagnie. Il fallait vraiment qu'elle meure. On les a massacrés comme des animaux. Après la bataille, j'ai eu besoin de temps pour réfléchir. C'est là que j'ai découvert cet endroit. Quel choix j'avais ? Faire un rapport et les condamner ? Ne rien faire et mettre la base en danger ? Je me suis dit que si je leur apportais de la nourriture, elle se tiendrait peut-être tranquille. Vous croyez que j'ai bien fait ? Bien sûr que non. Vous avez trahi la confrérie et vous nous avez tous mis en danger. La confrérie a tort. Si on tue tout ce qui nous fait peur, est-ce qu'on vaut vraiment mieux que les ghouls ? Et qu'est-ce que vous comptez faire d'elles d'ailleurs ? On fait ce que la confrérie attend de nous. Il faut les exterminer. Non. Je ne vous laisserai pas les massacrer sans rien faire. Pas cette fois. Donnez l'holoplaque. Soit. Vous comptez vraiment risquer votre vie pour elle ? Ce ne sera pas la première fois. Avec qui êtes-vous, conscrit ? Ces ghouls sauvages ou la confrérie ? Avec personne. Mais je ne sais pas. Oh, canon ! Désolé. L'honneur et la gloire. On partage tout ça, pas vrai ? Ok, carrément. Carrément. Le mec, il a pris le... Il a pris carrément le... Ça devrait... Non, allez, quoi ! Carrément, le mec, il a pris carrément le fusil laser, quand même, n'empêche, comme ça. En mode, what the fuck. Ah, le mec. J'espère qu'ils reviendront pas. Ghouls et ghouls, vous êtes où ? C'est votre ami qui a vous tous niqué. Quoi. Abandonne, ça me fera gagner du temps. Magicien par ici. Petit magicien. De quoi il parle lui ? De quoi il parle de magicien lui ? Je vais te briser tous les os. C'est comme ça qu'on fait par ici. On va échanger avec lui, hein. Hey, qu'est-ce qu'il y a ? C'est l'heure du partage du butin ?
way. Ok. What? Niveau inférieur. Ok. Comment on sort ici? Voilà. Enfin. On va pas faire long feu avec toutes ces radiations. Ok, donc là je ressors par là. Putain, qui aurait cru ça quoi? Mais le mec carrément il... Je le sauvais, mais bon, non, il... Il aurait fait des mensonges, et tout, bon, il ment... Enfin, mentir à la confrérie quand même. Enfin, pas son personnage personnel hein. Putain, ça pue les radiations ici. Pensez toujours à mettre une autre balle dans la tête de votre cible, même si elle a l'air morte. Gaville ? Vous m'avez fait perdre suffisamment de temps. Vous vous rendez compte que les synthétiques remplacent les humains par des copies conformes ? Ça me rend malade. Ouais. Et moi je pensais à un moment que c'était ça en fait. Nicolas ! Au rapport, chevalier. Avez-vous terminé votre enquête sur les provisions qui ont disparu? Les coups ils ont volé. Les ruines qui s'étendent sous l'aéroport grouillent de ghouls. Le conscrit Clark volait des provisions pour les nourrir. Il... quoi? C'est sérieux? Il a trahi le serment qu'il avait fait à la confrérie. Voler nos provisions et aider ces abominations? Où est-il? Que lui est-il arrivé? Il s'en est pris à moi. J'ai dû le tuer. Dans ce cas, vous avez fait ce qu'il fallait. C'est dommage. Je pensais qu'il irait loin. Très bien. Cette affaire est donc réglée. J'ai là quelques capsules pour vous remercier. Comme vous avez fait vos preuves sur le terrain, j'ai une mission d'un autre genre à vous confier. Nous avons des aides de camp qui ont besoin d'être formés. Ce sont de jeunes recrues qui ont besoin d'un exemple à suivre. D'un modèle, si vous préférez. Je pense qu'il est temps pour vous de transmettre votre savoir-faire aux jeunes. Acceptez-vous de devenir le mentor de l'un de nos aides de camp? Pourquoi pas? Qu'est-ce que je dois faire, au juste?
Une mission facile dont les retombées seront extrêmement bénéfiques. Un aide-de-camp vous suivra pendant que vous purgerez ainsi des abominations créées par les bombes. Mutants, synthétiques et autres. Ça permettra à l'aide-de-camp d'apprendre en vous regardant, tout en rendant le Commonwealth un peu moins dangereux. Qu'en pensez-vous ? Si je peux me rendre utile, ce sera un plaisir. C'est la réponse que j'espérais. Votre aide-de-camp vous attend. Nous lui avons indiqué un site. Escortez-la sur place et montrez-lui comment la confrérie se charge des abominations. Ok. Ok, d'accord. Je vais vendre des tous les systèmes de... Escouade Ferrum au rapport pour débriefing. Escouade Ferrum. Hey. Qu'est-ce que vous voulez ? Ah, vous auriez pas dû... On n'a pas vraiment vécu tant qu'on n'a pas renversé une bramine avec un vertiptère. Ça, c'est le défi. Bramine avec... Il est cool, lui. Cette ferme ne devrait pas vous poser de problème. Non, non, on va troquer. Donc là, je vais troquer, les amis. Hein. Équipez-moi. Toutes mes armes sont prêtes à l'emploi. Et voilà, j'ai fini. Bonjour, chevalier. Nos vertiptères devraient nous donner la supériorité aérienne nécessaire pour gagner cette guerre. Ok. Donc voilà, on va faire une petite sauvegarde. Bon, ben, je vous dis pour un autre épisode, vu que cet épisode normalement sera le 111, je pense. Enfin, je pense, hein. Si je dis pas de conneries, vu que là j'ai filmé pendant une heure et voilà, donc. Donc voilà. Donc, à plus tard pour notre aventure, c'était Gachot. Bye bye!